Abby, quand je te remets les clés du nouveau Kia Iniro électrique, je te souhaite une bonne route et beaucoup de victoires pour la suite. Merci Christophe, je vous emmène. J'ai pas eu mon permis du premier coup, je l'ai raté malheureusement. J'étais pas prête du tout. Mais par contre, la seconde fois, je l'ai eu. Oh là 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 là. Ce qui m'énerve le plus, je dirais les imprévus, les gens qui ne signalent pas lorsqu'ils tournent ou lorsqu'ils s'apprêtent à prendre une décision. Je dirais plutôt Uber, hein, parce que franchement, Blablacar, c'est vraiment quand je fais des plus grandes distances, quand j'ai pas ma voiture ou il n'y a pas d'autres moyens de locomotion, c'est vraiment le dernier choix que je prends. Je dirais la voiture, c'est quand même plus simple, surtout à Mont-de-Marsan, il n'y a pas beaucoup de transports en commun et puis d'un point à l'autre, souvent, on n'a pas de bus qui relient les deux points. Donc bien évidemment, c'est la voiture pour aller à l'entraînement, pour aller chez les kinés, pour aller faire les courses. Franchement, électrique, je suis en train de tester là et j'aime plutôt. C'est très silencieux, c'est très confortable pour conduire et tout ça, donc voilà, c'est top. Mais je chante beaucoup de musique en anglais, mais je connais pas bien les paroles.